content de vous recevoir. On vous connaît seulement depuis le précédent, hein, donc qui a eu déjà un petit succès en salle, on peut le dire. Un grand succès. Voilà. Donc les enfants. Nos enfants nous accuseront. Voilà, nos enfants nous accuseront. Un grand succès. Qui était déjà avec des enfants. Celui-ci donc libre est avec des enfants parce que c'est l'avenir, les enfants. Donc c'est un petit peu ça. C'est pour ça que vous les mettez en scène dans vos films à chaque fois, bah, sans les mettre en scène. Bien sûr, c'est l'avenir, mais surtout ces petits, on leur laisse un héritage catastrophique. Et de quel droit d'abord? Et il est important de leur donner la parole parce que les enfants, et ça je l'ai vérifié et ça m'a été confirmé dans le film Nos enfants nous accuseront que j'ai fait, c'est qu'à cet âge-là, entre 8 ans et 11, 10 ans, les gamins comprennent tout. Et je pense qu'il est important de leur proposer un avenir, non pas de choisir leur avenir, mais de leur proposer des solutions pour leur avenir. Parce que jusqu'à maintenant, on leur a pas proposé et on leur a pas exposé quelles étaient les solutions. Donc c'est pour ça que c'est important. Alors en même temps, avant d'aller plus loin dans le détail de ce film, par rapport à tout ce qui est dit dedans, justement pour continuer avec les enfants, toutes les réflexions que les enfants ont, les questions qu'ils posent, elles ne leur sont pas soufflées. Ah ben non, bien non, sûr. Non, mais voilà, je préfère. Voilà, parce qu'ils ont vraiment une pensée d'adulte. Mais à 10 ans, on comprend tout. Le cerveau est capable d'intégrer, si ce n'est souvent mieux, parce que, pourquoi? Parce que, à cet âge-là, les enfants n'ont pas basculé dans le secondaire, hein, dans l'enseignement secondaire, et leur cerveau, ils ont le libre arbitre, ils ne sont pas pollués. Donc, il est évident qu'ils sont tout à fait capables de faire la synthèse. Bon, alors, en ce qui concerne votre question précisément, en ce qui concerne les paroles ou les questions, non. Moi, voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand nos enfants nous accuseront, la caméra se met placée dans la classe ou dans la cantine ou dans la cour de l'école. Mais observez, hein, surtout, mais en aucun cas n'intervenez. Avant, il est important de savoir quelle séquence on va filmer, qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est, on voit ça avec soit les éducateurs, les profs. Et puis voilà, mais en aucun cas filmer ce qui est souvent intéressant dans le documentaire, parce que le scénario s'écrit tout seul avec eux. Mais en aucun cas, c'est le scénario et ne dicte pas les séquences. Alors, ce film libre est un film entièrement libre, ça on peut s'en rendre compte, par la narration, par les propos qui sont dits, et même dans ce film, il y a un ministre japonais qui, lui aussi, on le sent complètement libre. J'ai l'impression qu'il est sincère quand il parle, parce qu'on va voir de quoi il parle, mais c'est vrai qu'il a l'air sincère, pour une fois. Alors, est-ce que c'est vous qui l'avez détendu? Est-ce que c'est son vrai propos? Non, c'est plus qu'un ministre, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre, c'était voilà. C'était le Premier ministre qui était... Enfin, M. Naoto Kan était Premier ministre au moment de la catastrophe de Fukushima. C'est quelqu'un qui est plus que sincère, puisqu'il a... Il a vécu ce drame, il a vécu ce chaos, il a vécu cette catastrophe. Et je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est, on peut appeler ça en pleine rédemption, et qui depuis parcourt la planète en disant surtout, il faut sortir. Il faut sortir aux dirigeants des autres pays, il faut sortir urgemment du nucléaire. Alors en même temps, avec votre film, vous montrez que c'est possible avec toutes les énergies alternatives et que c'est une question d'argent finalement. C'est ça le nerf de la guerre, donc du nucléaire. Ah, alors, moi je ne sais pas si c'est... Oui, on sait que le nucléaire confisque l'argent, notamment en ce qui concerne les énergies renouvelables, puisque les subventions sont colossales, qui sont attribuées notamment dans un pays comme la France. Les subventions sont colossales. Et on laisse, on peut dire, les miettes à l'énergie renouvelable, notamment ce qui concerne la recherche. La recherche sur les énergies, depuis 40 ans, c'est-à-dire depuis l'avènement de ce nucléaire, que la petite Severn Kelly Suzuki appelle ça un pacte avec le diable, ou le crime intergénérationnel ultime, ben cette technologie qui nous est imposée à force d'opacité et de mensonges, depuis 40 ans, absorbe tous les budgets en ce qui concerne la recherche sur l'énergie. Et c'est pour ça que, malheureusement, les énergies renouvelables ne ramassent que les miettes. Et là, la justice, elle est évidente. Il faut savoir aussi que tous les ans, les subventions dans le monde entier, pour les énergies fossiles, dont le nucléaire fait partie, c'est une énergie fossile,
s'élève à 775 milliards de dollars tous les ans de subventions pour ces énergies fossiles. Et le renouvelable bénéficie, lui, à peine de 100 milliards de dollars. Bon, 100 milliards de dollars, c'est énorme, mais par rapport aux chiffres dont bénéficie l'énergie fossile et le nucléaire, c'est quand même c'est 8 fois moins. Voilà. Donc là, c'est vraiment à ce niveau-là, l'argent est encore une fois absorbé goulûment, entre guillemets, par le nucléaire. Alors dans ce film, vous montrez justement les résultats du nucléaire avec le Japon, vous montrez la France avec justement ses futurs dangers, vous montrez aussi le Danemark qui peut aussi parfois s'en passer, parce qu'en même temps vous montrez que même le nucléaire peut être justement rentable plus que le nucléaire. Oui, tout en étant protecteur de la planète. Le Danemark, depuis plus de 30 ans, a refusé le nucléaire, et ce, de façon démocratique. À la suite d'un référendum, le peuple danois a décidé de dire non au nucléaire et a enclenché depuis une politique de développement d'énergie renouvelable, principalement le vent, le soleil, enfin le solaire, et panneaux photovoltaïques et l'éolien et la biomasse. Donc, et c'est dans ce sens-là qu'à partir du moment où on s'aperçoit que cette île de Samsø que j'ai filmée, qui est très importante, parce que je n'ai pas filmé l'énergie au Danemark, j'ai filmé cette île de Samsø, 4500 habitants. Pourquoi ? Parce que demain, ces énergies, par exemple, d'un autre siècle, sont les énergies fossiles et nucléaires, qui nous sont acheminés à partir de points centraux, hein, qui tout est centralisé, quelque part ces énergies hypothèquent notre liberté. Alors qu'on s'aperçoit que quand on les développe localement, on s'aperçoit que ces énergies renouvelables, au contraire, donnent de la liberté. À tel point qu'au Danemark, dans cette île de Samsø, l'énergie qui est prise sur le réseau national, parce que quelquefois il n'y a pas de soleil en même temps et ni de vent, donc là il bascule l'électricité sur le réseau national, et bien, mais quand eux... Il y a du surplus, c'est sur le réseau national, et la différence est largement positive pour les habitants de Samsø. Voilà, donc ils ne sont plus dépendants de cette énergie centralisée et qui hypothèque l'avenir des générations futures. On peut dire, Jean-Paul Jaude, que vous avez fait un film citoyen ? Bien sûr, tous mes films sont des films citoyens. Ce sont des films... Pourquoi ? Parce que ce sont des films citoyens, parce que ce sont des gens qui, à titre personnel, s'engagent. Souvent, on me dit, vous faites un film politique aussi. On me dit, vous faites un film politique. Bien sûr, c'est des films politiques, mais tout acte est politique. Il y a souvent dans le débat. Oui, ce que l'on achète, tout ce que l'on fait dans la vie. Au quotidien, ça s'appelle voter avec son caddie. Vous achetez du pain, plutôt que d'acheter du pain conventionnel, ce qu'on appelle acheter du pain bio, c'est un acte politique. C'est la même chose pour l'électricité. Si vous envisagez de quitter EDF, parce que vous avez tout à fait le droit, c'est légitime, de refuser de payer une énergie qui à 80% vient du nucléaire, et que vous décidez d'aller chez Enercoop, qui est un marchand d'énergie essentiellement renouvelable, c'est un acte politique. Le carburant que vous mettez dans votre voiture, c'est un acte politique. Voilà, la façon dont vous vous habillez même, c'est, peut être un acte politique. Pour les dames, la façon dont elles se maquillent, suivant les cosmétiques qu'elles utilisent, est-ce qu'ils sont bio ou pas bio, c'est un acte politique. Donc, tout est un acte politique. Mais le citoyen a un rôle important à jouer, puisque tout de suite, dans le moindre de ses gestes dans une journée, il peut tout de suite changer et engager un vrai changement vers une transition, en l'occurrence, là, ce film parle de l'énergie, mais il peut tout de suite. Mais ce qui n'exclut pas, ce que je n'exclus pas, je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas faire partie d'associations, faire partie d'un syndicat ou d'un parti politique. Mais le citoyen peut tout de suite, vu l'urgence dans laquelle nous sommes, peut tout de suite agir. Et ça, oui, je suis d'accord, sont des films citoyens. Surtout pour un sujet comme ça. Alors, est-ce que vous avez confiance en la politique, justement, nucléaire de la France ? Absolument pas. Absolument pas. On ne peut avoir aucune confiance en aucun pays nucléarisé. Mon film précédent, Tous Cobayes,
qui montrait essentiellement, enfin qui montrait entre autres, mais qui traitait des OGM et du nucléaire, et qui montrait les points communs qu'il y avait entre ces deux technologies, que sont les OGM et le nucléaire, elles nous sont imposées à force de mensonges et d'opacité. Ce sont des énergies qui sont immaîtrisables et qui sont surtout irréversibles, elles n'ont que des points communs. Donc on ne peut pas avoir confiance en une énergie qui est immaîtrisable et irréversible. La preuve, les catastrophes que l'on connaît, Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima, puis les incidents qui se développent depuis maintenant des années dans nos réacteurs, qui sont des réacteurs âgés, vieux, fissurés. Par exemple, est-ce qu'on a confiance? On vient de découvrir qu'il y a eu un incident, enfin, les deux réacteurs étaient arrêtés à Fessenheim, fin février, et on vient de découvrir, l'agence de sûreté nucléaire vient de découvrir que ce n'étaient pas des incidents, c'était des accidents qui étaient graves. Donc voilà, on nous impose. Et le comble de tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, pourquoi? Parce qu'on hypothèque l'avenir des générations futures pour très peu. Pour quelles raisons? Pour des raisons militaires, sans doute, puisque le plutonium sort de ces réacteurs. Et puis aussi pour des raisons de cupidité. Comment peut-on aujourd'hui discuter sur est-ce qu'on laisse le nucléaire à l'Iran ou pas? Mais c'est non. Mais quel que soit le pays, bon, l'Iran en plus, on sait que géopolitiquement c'est particulier, mais comment peut-on dire oui, vous allez faire du nucléaire sans extraire le plutonium? Mais ils vont faire la bombe atomique, c'est évident. Le plutonium, ils vont en extraire, évidemment. Au contraire, si on veut aider l'Iran, il faut les aider à investir dans le renouvelable. L'Iran, il y a du soleil. On sait qu'une journée de soleil sur la planète, un exemple, une journée de soleil sur la planète, si on avait investi dans le stockage de l'énergie, dans la concentration, si on était capable de la capter, eh bien, une journée de soleil suffirait pour fournir l'énergie de toute la planète pendant un an. Que l'on aide l'Iran à développer le renouvelable, avant toute chose. Vous arrêtez le nucléaire et on vous aide à développer le renouvelable. Voilà, voilà ce qu'il faut aujourd'hui au 21e siècle, comment il faut parler. Est-ce qu'on va sortir de ce schéma de l'arme de destruction massive? C'est ça le nucléaire. Parce qu'au départ, c'était pour faire cette bombe. Arme de destruction massive que l'on... Et on ne maîtrise plus nos centrales, on ne maîtrise plus nos réacteurs. L'an dernier, il y a eu 120 incendies, ou il y a deux ans. 120 incendies en France, dans le parc nucléaire. 120 incendies, il y a 58 réacteurs nucléaires. Ça fait deux incendies par an. C'est pas inquiétant. Voilà, donc c'est absolument pas une énergie fiable. En plus, c'est une énergie qui, écologiquement, on a montré, est désastreuse et rase des régions et des pays que l'homme a conquis depuis qu'il existe sur la planète. Fukushima, c'est fini, il y a des zones qui, plus jamais on ira. Les enfants ne se baigneront plus jamais pendant des siècles dans l'océan et ne pourront marcher sur la plage. Voilà, donc comment peut-on envisager un avenir avec cette technologie qu'on ne maîtrise pas? Alors, ce qui est intéressant dans votre film et à vous entendre parler, on sent qu'il y a la continuité, c'est-à-dire que vous êtes un homme en colère, comme pourrait l'être, mais par contre, vous ne la montrez pas, cette colère. Votre film est aussi doux, il montre tout simplement, là vous expliquez aussi avec des arguments, avec des chiffres, et donc il n'y a pas de raison de se mettre en colère, donc, et ça c'est quand même, pour moi je trouve, un atout très important, parce qu'en même temps vous faites un film de cinéma. Oui, alors je suis... Ma colère ne se voit peut-être pas, mais surtout je suis indigné. Et surtout aujourd'hui, il ne faut pas oublier ce mot que nous a annoncé et qu'a répété souvent M. Stéphane Hessel. Il faut s'indigner, il faut continuer à s'indigner. Donc on peut dire que je suis un homme indigné, mais je vais reprendre une phrase d'Henry David Thoreau, qui est un grand écologiste, un des fondateurs de l'écologie, c'est un Américain. Qui en 1830 sortait diplômé d'Harvard et qui avait tout de suite compris ce qui allait se passer avec l'avènement, entre autres, de l'énergie fossile, du pétrole, et qui a tout de suite compris ce qui allait se passer et quelles seraient les conséquences économiques de ce système sur notre planète. Et il a écrit cette phrase: si tu ne mets pas un peu de poésie dans ton gagne-pain, tu es sûr de gagner la mort et pas la vie. Donc
la poésie, c'est... Vous savez, il y a M. Malraux qui a dit que le 21e siècle serait spirituel ou ne serait pas. Ou serait pas. Donc, est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire de faire ce 21e siècle, le siècle de la croissance économique ou un siècle de la croissance spirituelle et culturelle? En tout cas, nous, on ne peut que adhérer à vos idées parce qu'on découvre quelque chose qu'on ne nous montre pas à la télévision. C'est pour ça aussi que des exemples positifs comme ça, c'est le cinéma que vous avez voulu prendre comme vecteur plutôt que d'essayer de tenter de convaincre les médias ou les choses comme ça. Le cinéma est plus porteur, vous pensez? Ah oui, le oui. Cinéma a un rôle à jouer, bien sûr. Le cinéma a un rôle à jouer. Abel Gance, un de nos maîtres à tous, a écrit cette phrase: quand un spectateur rentre dans une salle de cinéma, il ne doit, si le film est fort, il ne peut pas ressortir dans l'état dans lequel il est entré. À la télévision, par exemple, si vous regardez un film à la télé, eh bien, vous savez, d'abord Godard a dit cette phrase: quand on regarde un film à la télé, on baisse la tête, et au cinéma, on lève la tête. Mais, et puis aussi, quel est l'intérêt? Aujourd'hui, si on veut s'en sortir, il faut partager. Et rentrer dans une salle de cinéma, quand les spectateurs rentrent dans une salle de cinéma, le premier acte, quand on s'assoit dans la salle, on partage. On partage un moment, on partage un film, une vision d'un film, et ça c'est important. Et dans ce sens-là, le cinéma a un rôle important à jouer. Et pourquoi aussi? Parce qu'à la fin, et c'est pour ça que je tiens à accompagner mes films partout dans la France ou même au Japon, parce qu'à la fin, il y a un débat. Nous sommes au siècle de la communication, c'est évident, elle est surtout virtuelle. Elle est surtout virtuelle. On fait avec nos doigts, on fait des monologues sur Internet. Mais dans une salle de cinéma, on communique non plus virtuellement, mais physiquement. Et les gens se parlent. Et les gens ne se parlent plus. Or, aujourd'hui, pour moi, les cinémas sont dans des quartiers. Certains cinémas sont dans des quartiers ou dans des petites villes ou dans des villages. Ce sont les derniers bastions culturels. Et les dernières agora où les gens peuvent échanger. Et c'est pour ça que le cinéma a un rôle à jouer. Et d'autant plus par rapport à la télé. Là, vous basculez dans un autre monde. La projection aujourd'hui a évolué, que ce soit sur l'image ou le son, la qualité est exceptionnelle. Voilà, donc le cinéma, j'en suis convaincu, a un rôle important à jouer. Alors, ce qui est bien aussi dans votre film, c'est que vous mêlez la nature avec la musique et justement tout ce qui peut être justement naturel dans ce. Et la musique a un rôle important à jouer aussi. Parce oui. que. Oui. Mais comme elle joue toujours au cinéma. Oui. Et je reprendrai cette phrase de Victor Hugo. La musique exprime ce qui ne peut être dit, mais qui en aucun cas ne doit être passé sous silence. C'est la force de la musique au cinéma. Notamment dans le film, il y a cette séquence quand on passe des petits Français qui, en toute insouciance, se baignent dans l'argile et dans la vase, et on bascule dans le chaos des villages irradiés du Japon, abandonnés, et jusque dans cette salle d'école qui est aussi radioactive et abandonnée. Et parce qu'on peut dire que vous y êtes allé. Pour finir sur un piano qui va être muet à vie. Quoi de plus fort que la sonate de Beethoven, Appassionata, pour être en parallèle avec accompagner l'image. Quoi de plus fort? Quel mot voulez-vous mettre là-dessus? Votre monde, voilà, c'est ça, c'est un combat permanent. Oui, comment peut-on rester impassible? Moi, ce que je ne veux pas, c'est que mes enfants ou les enfants de la planète me disent: tu savais, tu n'as rien dit et tu n'as rien fait. C'est une belle conclusion. Est-ce que vous travaillez déjà sur un prochain sujet? Non, pas précisément. Pas précisément. Bien sûr qu'il est impossible de rester les bras ballants devant la situation. Mais précisément, non. Pour l'instant, j'accompagne libre. Mais en tout cas, nous, on vous remercie.